C'est une histoire de couleurs de mots. En fait, Alain Bachung aimait beaucoup les mots bleus. Mais il se fait que son amoureuse de l'époque les aimait aussi. Et aimant les mots bleus, elle n'aimait plus les mots roses que Alain lui proposait. Alors Alain a décidé, pour faire plaisir à son amoureuse, d'enregistrer les mots bleus. Il en était tellement content qu'il a voulu rendre hommage à Christophe et a écrit une chanson donc, dans le titre de laquelle on peut phonétiquement entendre le titre d'une des plus grandes chansons de Christophe. Et Christophe, pour remercier Alain d'avoir repris les mots bleus, a repris cette chanson également. Il est passé du chanteur fleur bleue, si je puis dire, pour Midinette, et il s'est adressé à un public beaucoup plus pointu, beaucoup plus connaisseur, et c'est comme ça qu'il est devenu le grand Christophe. Hein.